cet atelier pratique, puisque c'est un travail sur soi, d'analyser, de révéler le sens de notre empreinte de naissance. Dans un premier temps, commençant par déterminer les quatre dates fondatrices de notre empreinte de naissance, 18 mois avant la naissance, 9 mois avant la naissance, qui est la conception, et 9 mois après la naissance, qui correspond à plus 9 mois de vie. Vous remarquerez que ces quatre temps déterminent trois colonnes qui donnent ce cycle de 27 mois, notre empreinte de naissance, que nous allons reproduire de 27 mois en 27 mois. Comme vous pouvez voir, chaque âge correspond à une colonne. Donc, lors de ce séminaire, nous irons écrire certains événements, 3, 4 événements de notre vie. Pas nécessairement des événements qui sont autour de la naissance, puisque rares sont les personnes qui ont de l'information à ce sujet. Alors, s'il vous est arrivé un événement à 33 ans et 6 mois, constatez que cet événement est dans la même énergie que ce qu'a vécu votre maman ou votre papa lors de votre sixième mois de conception, ce qui permettra à Jean-Philippe d'aller lire le sens de cet événement. Ce qui va s'imprégner, ce n'est pas l'événement, mais c'est la façon dont l'événement est vécu par le père, par la mère. Ces trois événements se situent exactement à la verticale du jour de sa naissance. Et là, je vois cette femme qui réalise. Elle réalise ce qui s'est passé le jour de sa naissance. Je recherche donc dans son histoire quel est le moment autour de la grossesse, dans son empreinte de naissance, où elle a eu peur des nombres. Au moment même où elle lui raconte son histoire, ce petit enfant fait un soupir, comme si tout d'un coup, un poids disparaissait. Et derrière cette empreinte de naissance, vous découvrirez un homme, une passion, un concept. Les enseignements de Jean-Philippe sont d'une douceur. Ils nous permettent de se recontacter à ce qui est en nous, hors dualité, hors causalité. Un séminaire où vous n'entendrez jamais « c'est à cause de ». C'est de répondre instant après instant aux événements de notre vie quotidienne. Parce que tous ces événements sont porteurs d'un principe au service de notre paix intérieure et au service de notre conscience. Rien de ce qui a été inscrit dans notre empreinte de naissance est positif ou négatif. Et l'empreinte de naissance, c'est une invitation à réaliser tout le potentiel qui est inscrit dans ces programmes, de prendre la responsabilité de notre vie et de pouvoir nous accomplir dans toute notre richesse et dans toute notre puissance. Puisqu'en 2014, c'est le 10e anniversaire de son livre « L'empreinte de naissance », nous avons mis au programme 5 ateliers pratiques dans 3 pays, en France, Toulouse, Lille, Lyon, au Canada, dans la ville de Québec, et en Italie, en Sardaigne. Pour plus d'informations, vous pouvez aller voir le site internet www.bioanalogie. Ou nous écrire à contact@bioanalogie.com.